Bonjour à toutes et à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de notre premier let's play sur les Sims 4. J'espère que vous allez bien, moi ça va nickel. Et nous allons directement commencer à jouer avec notre famille blanc pour cet épisode numéro 23 de notre let's play. D'abord, comment vont les gens? Ok, donc ok, j'arrive, elle va bien, nickel, tout va bien. Donc elle est à la faim, donc faudra lui donner à bouffer. Quoi, bah, c'est quoi ça? J'avais jamais vu guérir la maladie avec un médicament, boire des médicaments, commenter avec un ordinateur peut faire disparaître les symptômes de la maladie. Ah merde, elle est malade. Ah, ok. Ok, elle est malade. Est-ce que l'on peut commander des médicaments parce qu'on a pété l'ordinateur? Alors, est-ce qu'on peut commander par téléphone? Non, non. Ben, on est malade. Prendre un jour de congé école. Bah, allez, hein, tu vas rester à la maison, ma petite. C'est super bien que ça, hein. Super bien. Voilà, tu vas rester à la maison. Ah, téléphone. Que passe ça? Vicente Garnier appelle pour discuter. Répondre? Non, parce qu'on s'en fout, voilà. Donc, comment va notre famille? Donc, ouais, ok, la télé s'était cassée à l'épisode précédent. C'est super. Non. Non, mon Dieu, non. Ils ont cassé l'évier. Non, ils ont cassé le frigo. Mais pourquoi vous cassez tout, bande de débiles? Putain. Environnement sale, mais arrête de casser les frigos là. Ça va faire 10 fois qu'on change ce frigo et aussi là, cet évier là. Putain, ça m'énerve. Hein. Bon, on va le réparer parce que ça devient n'importe quoi. Qu'est-ce que tu as? Environnement dégueulasse, ok. Eh ben, mange parce qu'à part manger des céréales, on ne peut pas faire autre chose puisqu'on n'a plus de. On n'a plus de frigo. Donc voilà, on est un petit peu dans la merde. Faudra d'ailleurs changer la télé, faudra changer l'ordinateur aussi. Et nous n'avons pas de sous, c'est super. Vivement qu'il recommence sa journée de travail pour gagner de l'argent et finir notre fusée. Parce qu'à l'épisode précédent, on avait fait une fusée. Et donc, voilà. Il faut la finir. Ah, qui est ce petit bonhomme? Alexandre Gothique. T'es ami avec eux? Attends, relation. Ouais, notre. Jonathan, Louis. Manon. Pimpin! Non, bah non, t'es pas mis avec, tu t'en fous, hein, attends. Pff, ça y est, t'avais rien à faire, allez, dégage. Dégage. Allez, on n'a pas besoin de toi. Voilà. Je dois y aller, c'était très sympa. Tu n'as même pas passé ma porte, t'as dit que c'était cool. Ok. Ok, donc tu vas aller prendre ta douche, toi. Toi, comment vas-tu? Enfin. Bah non, je vais te parler, non? Ce serait bien. Et toi? Bah ouais, ma part environnement dégueulasse. Donc toi, tu as c'est bon, t'as réparé le petit évier, donc on va remplacer le frigo. Voilà, hop. On va l'essuyer, on va tout jeter. Attends, c'est quoi ça? Rechercher les pièces. Ok. Je propose d'abord que oui, on change le frigo de place. Je suis sûr, c'est un endroit maudit ici, j'en suis sûr. Voyons, on va le mettre ici. Ok, on peut pas passer, c'est super. Le frigo dans la chambre. Le frigo dans la chambre. Ça serait tellement top. Ça ici. Et ça ici. Voilà. Peut-être que ça serait un petit peu mieux. Voilà, on va rejouer. Hop. Ça y est, t'essuies les flaques là? Ok. T'es en train d'essuyer les flaques. Bon. Toi. Confortablement installé. Conversation agréable. Environnement néfaste. Ben, normalement, ça va être. Benjamin a pris. Que Joanna avait des traits de caractère suivants, pitre. Mais ça, non, mais ça, on le savait, hein. Elle est un petit peu notre sosie sommeillée, hein. Bref, environnement néfaste. Jouer dans des ordures. Elles sont les ordures. Ah, je suis un thug, moi. Jouer dans. Voilà. C'est parti. Là, là, là. Bon, allez, hop. C'est bon, t'as joué. Elles ont disparu, mais c'est encore mieux. On fera ça la prochaine fois, genre, t'imagines, pour nettoyer les chiottes, genre, tu vois, tu joues dedans. Ça serait trop bien. Bon, bref, alors. Au fait, c'est bien, on met des ordures dans cette poubelle, mais il n'y a aucun éboueur qui passe, hein, c'est un peu bizarre. Enfin, c'est les Sims. Bon, alors. Allez au musée, je crois qu'il allait me dire acheter une voiture, mais il n'y a pas de voiture dans ce jeu. Bref, alors. Ça, à qui ça d'ailleurs? À qui sont ces trucs? D'ailleurs, ouais, ils sont à qui? Ouais, ah oui, je m'en souviens que, ouais, il y en a une des deux qui avait pas ses devoirs. On se demande pourquoi d'ailleurs. Elle se les a fait voler, j'en suis sûr.
Ah là là, bon, après tu iras prendre ta douche. Très 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 joueuse. Elle va mourir de jouissisme, de joueux Sims. Je sais pas comment ça se dit, mais bon. Bref, autant ça existe même pas. Alors, qu'est-ce que tu fais? Tu cuisines quoi? Un sandwich au fromage fondu. D'accord. On va avancer le temps pour qu'on va après se retrouver quand même dans notre lieu de travail pour terminer notre fusée. D'ailleurs, où est-ce que tu es, Ben? Tu es ici. Faudra d'ailleurs aussi relooker les filles parce qu'elles sont moches. Ouais, bah attends, mais elles sont trop mal habillées. Ça... Je sais pas, mais tu mets pas du jaune et du vert ensemble. Ce n'est pas possible. Heureusement que Christina Cordulet, elle est pas là. Hein. Ouais. Bref, alors, on va avancer. Voilà. Est-ce que tu as de la fatigue? Ouais, pas encore. Ben, ah oui, mais la télé est cassée. je veux dire, tu vas regarder la télé, mais bon, la télé est cassée. Donc, je propose que tu lises un livre. Non, il y a rien à faire. Bah, ouais, bah, va falloir. Comment elle coûte? On peut pas se payer ça. C'est pas possible. Il manque, je sais pas, mais en fait, ça fait 23 épisodes de passé. On n'est toujours pas riche, quoi. C'est pas possible, ça. Bon, tu vas manger du yaourt. Voilà. Il te faut 5 minutes de pure douceur. Voilà. Allez, hop. Toi, bah ça va, t'amuses bien sur Candy Crush. Dès que t'auras exité. Non, en fait, elle joue à Tetris. Regarde, elle joue à Tetris. Ah! Arrête de bouger! Même moi, je bouge pas autant quand je joue. Enfin, bref. Bon. Oh non! Non! Bon, bah réparer, hein. Attends. Alors, ça va faire la quatrième fois qu'on les répare, ces chiottes. Hein. Quatrième fois. Vraiment, ce n'est plus possible. Alors, moi, à ce rythme-là, elle atteint le niveau 10 compétences bricolage. Ah non, elle atteint le niveau 3 là. Elle va atteindre le niveau 3 bientôt d'ailleurs. Améliorer. Ah, qu'est-ce qu'on peut faire? Acheter une chasse d'eau. Attends, acheter. Ajouter, d'accord, c'est mieux. Bah, ajouter une chasse d'eau supplémentaire. Est-ce qu'on peut améliorer le frigo? Non. Est-ce qu'on peut améliorer ça? Améliorer, oui. Robinet solide. Ah, bah, ça sera mieux. Ensuite, ça, on peut rien améliorer. Est-ce qu'on peut réparer la télé? J'hésite à la faire réparer la télé quand même. Hein. Alors, attendez, on va lire la compétence bricolage d'abord. Donc, attends, faites-le vous-même. Telle est la devise d'un sim bricoleur. Les sims bricoleurs n'ont pas besoin de réparer les choses lorsqu'elles se brisent. Peuvent désormais. D'accord. Bah déjà, tu vas améliorer le lavabo évier, je sais pas comment on appelle ça. Comme ça, normalement, il ne se cassera plus. J'aimerais en fait qu'elle répare les ordis et tout. Mais en fait, j'ai peur qu'elle s'électrocute et qu'elle crève. Donc voilà, ce sera un petit peu l'amélioration de l'évier. Donc maintenant, normalement, il est un petit peu mieux l'évier. Ah, t'es fatigué. Aïe, se pincer le doigt fait très mal. Ah, tu t'es coupé un doigt. Merde. Doit faire pipi. La façon dont elle se déplace. Ah merde, faut que tu manges. Hop. Tu fais quoi, toi? Elle, je la vois dans Top Chef plus tard. Je la vois dans Top Chef. Tu prépares une salade? C'est super, t'es trop cool. Bon, allez, hop. Je peux la manger? Ah, Burke, elle a mis son doigt dans son nez et elle a fait. Elle a. Ah, oh, Burke, c'est dégueulasse. Ok. Toi, tu vas cuisiner des œufs brouillés, portions individuelles. Voilà. Et après, tu vas le manger. Oui, c'est logique, tu vas le manger. Attends, faut qu'on m'explique. Le père et la fille dorment ensemble. Ok. Ça sent trop la nouvelle relation. Autant imagine le père il trompe avec sa fille, mais ça serait tellement chaud. Ça serait même horrible. À ce rythme-là, Charlotte et Johanna dorment ensemble, il n'y a pas de problème. Bon, bah toi tu vas dormir dans cette chambre et toi tu vas dormir dans cette chambre. D'ailleurs, je sais même pas quelle chambre appartient à quelle personne. Ah, ça c'est le logo des Sims 3. Guérir la maladie avec une tasse de thé. Ouais. Bah tu vas rester malade pour le moment. De toute façon, tu ne vas pas à l'école demain. Donc voilà. Toi, il faut que tu manges. Allez. Voilà, tu vas manger. Et ensuite, tu vas aller au lit, tout simplement. Tu vas aller au lit. Voilà. Hop. C'est bon, t'as fini de manger? C'est bon? Ok, c'est bon. Tu nettoies et tu vas aller te coucher. Et voilà, maintenant le temps va passer hyper vite. On va d'ailleurs éteindre les lumières parce que ça nous. Sérieux, elle n'est pas allumée. Elle n'est pas allumée. Attendez, plus d'éclairage. Ok, c'est parfait. Donc, allez, hop, on va avancer le temps. Ah, qui se lève? Ok, bah va pisser. Après, tu vas te rendormir. Ah merde, faut que tu manges après.
C'est bon. Les toilettes, mon Dieu, elles sont dans un état. Nettoyer. Voilà. Ensuite. Fin. Ok, donc tu vas. Ce que je propose, c'est que tu prépares le petit déj pour ta famille. Ça t'entraînera. Donc, allez. Comment ça marche? Prendre le petit déjeuner. Servir le petit déjeuner. Œuf brouillé. Voilà. Allez, c'est parti. Tu vas préparer le petit déj pour toute ta famille. Les gens, ils seront contents. Tu auras accompli quelque chose dans ta vie. Et puis voilà. Ah, elle les a fait. J'étais beaucoup trop mal à l'aise. En fait, je ne sais pas à qui appartiennent ces devoirs. Hein. C'est un petit peu bizarre d'ailleurs. Bon, est-ce qu'on peut les mettre à la poubelle? Non, on peut pas. Eh bien, on va les vendre. Voilà. Ce sera tout simplement plus simple. Voilà. Hop. Pourquoi j'ai mis en pause? N'importe quoi. Tu peux me dire ce que tu fais là? Il crame ton truc, il est en train de cramer. Bon, bref, alors. Il est 6h55 et toi. Oh là là. T'as très envie de faire pipi, dépêche-toi. ensuite, toi. Ah, les cours de Johanna commencent dans 1 heure. Donc, faudra qu'elle y aille. C'est elle, Johanna? Oui, c'est elle. Toi, il faut que tu manges. Ensuite, tu vas aller prendre ta douche. Ensuite, tu vas aller aux chiottes. Là, d'abord, tu vas les nettoyer. Ce sera pas mal. Toi. Toi, tu dors. Ok. Normal. Toi, ouais, t'as aussi. Mais en fait, elles ont toutes envie de pisser. Un truc de malade. Tu vas peut-être reprendre les œufs brouillés? Non? Non, tu ne veux pas? Non, ok. C'est super. Vessie, divertissement. Ah, faut réparer cette télé le plus vite possible parce que là. Ouais, parce que là, on a plus rien. Enfin, on peut plus rien faire là. C'est horrible. Ah, c'est bon, elle reprend les trucs. Elle est dégueulasse en fait, il faudra qu'elle prenne sa douche. Qu'est-ce qu'il y a? Ça fait pipi dessus. Ah merde. Bon, moi, c'est tranquille maintenant. Alors, faut que tu prennes ta douche. Je pense qu'il faudra acheter une deuxième douche dans cette famille parce que là, ça va mal. Au fait, je me suis demandé si nos ados pouvaient trouver un emploi. Peut-être qu'ils peuvent. Parce que vous voyez, ils sont à l'école, donc je sais pas s'ils peuvent. Alors attendez, d'ailleurs, on va aller sur le téléphone. Ah ouais, ils peuvent trouver un boulot. Bah t'as, on va chercher, on va y aller. Ah merde, aller au lycée. Bon, mais bah, c'est trop tard. On fera ça bah, quand ils rentreront du boulot. Voilà. Ah mais non, mais elle rentre pas puisqu'elle est malade. Trouver un emploi. D'ailleurs, voilà, on va aller voir parce que peut-être qu'on gagnera un petit peu plus d'argent. Ce sera pas mal. Sélectionner une carrière pour jouer. Oh, il y a babysitter, c'est super bien ça. Enfin, ouais, c'est que le samedi et le dimanche. Barista, si vous aimez passer du temps dans le café que vous ne connaissez déjà par carte, tous les noms des boissons sophistiquées pour ne pas en faire votre métier. 40 euros de l'heure quand même, c'est vraiment. Putain, c'est hyper bien payé. Hein. Ah, il y a qu'un employé chez McDo qui est mal payé. Hein. Employé de fast-food, gagner de l'argent de poche, on s'en va manger à des gens que vous connaissez. Oui, en nettoyant derrière eux, du moins au début. Alors bien sûr, c'est pas des carrières comme les Sims 4 au travail. Et ouvrière, vous êtes jeune et en bonne santé, alors faites-vous payer par des gens qui ne le font plus. Tondre des pelouses, conduire des grosses machines, votre force physique vous faire gagner de l'argent. Qu'est-ce que l'on pourrait prendre pour Juliette? D'ailleurs, voilà, on va lui prendre une petite carrière. On va lui prendre... je sais pas. Non, pas babysitter, elle est trop chiante. Je propose qu'elle fasse... On peut être fast food, voilà. Ça y est, voilà, tu travailles chez McDo, ma petite, tu as trouvé un emploi stable. Elle travaille à Hamburger Man Grey. Non, ah non, merde. Hamburger Man, voilà. Ok, bah c'est super. Comment vas-tu? Donc, ouais, tu as besoin de prendre une douche, donc on va prendre une douche. Donc, tu commences demain à 17h, donc en fait, elle travaille le soir. Toi, il faudrait peut-être que tu partes. Et d'ailleurs, tu vas manger ce qu'elle a préparé. Manger plat, hop. Toi, il faudrait que tu te lèves. Et que toi aussi tu manges. Wesh, elle est passée où? Elle est là. Prendre une portion. J'aime bien, ils font leur lit directement, c'est super bien. Ensuite, tu iras prendre une douche. Et toi, tu iras manger. Et ensuite, tu vas. Après, tu vas rien faire. Voilà, parce qu'on n'a pas de télé. Faut que Benji gagne des sous, comme ça on pourra, voilà. On pourra réparer la télé et réparer aussi l'ordi parce que l'ordi ça fait 20 ans qu'il est en panne.
Et puis voilà. Ah, celui-ci. Ok, donc tu vas y aller. Hop. Et après, il part bientôt au boulot là. Donc, allez, dépêche-toi. Merde, il a été choqué. Vision impossible à oublier. Elle était autant horrible que ça, ta propre fille. Bref, allez, hop, on va avancer le temps. Tac, tac, tac. Voilà. On va le rejoindre à son travail, bien sûr, toujours ce petit temps de chargement. Comme d'hab, ça ne change pas. On va le rejoindre à son boulot. Et après, on va continuer la création de la fusée. Voilà. Attendez, hop, voilà. On va continuer la création de la fusée. Et après, on va normalement, je pense, on va partir dans l'espace. Normalement, parce que j'ai vu, voilà, pas mal de gens qui disaient que on pouvait partir dans l'espace avec cette fusée. Donc, on va voir ça. Votre maison a un inventaire en mode. Ok, j'ai pas eu le temps de dire. Vous attendez un enfant et ça vous inquiète? Vous pouvez maintenant accoucher à l'hôpital. Ouais, faudra le faire d'ailleurs. Faudra le faire. Enfin, faudra le faire. Faut avec nos enfants à nous. Hein. Enfin, fait que Johanna jette parce que je pense pas que Charlotte a encore envie d'un troisième gosse. Même si j'aurais voulu un gars. Expérience du jour, blablabla. Bien sûr, le petit texte. Hein. On va continuer la création de notre fucking Thursday. Voilà. Bon, allez, hop, on va avancer. Et c'est parti pour la création de la fusée. Allez, hop. Continue à construire. Allez, non, tu ne veux pas. Ah, ouais, c'est parfait. C'est parfait. Voilà. Est-ce qu'il y a quelque chose à faire pendant ce temps? Au cas où, il faudra faire une analyse, demander un cristal à un collègue et préparer un sérum de nourriture synthétique. Voilà. Ça avance. Alors, si là. Ah, améliorer sa compétence. Benjamin atteint niveau 3 de la compétence fusiologie. Il peut désormais agrandir les réservoirs de carburant dans les genêts. Attends, c'est où le mur de notification? C'est là. Agrandir les réservoirs de carburant dans les fusées. C'est pas mal. C'est pas mal. Donc là, il a atteint plus de la moitié de la construction. C'est quand, en fait, qu'il est plus embarrassé dans 0 minutes. Ben, c'est parfait. Il a atteint la moitié de la construction. Est-ce qu'il va bien d'ailleurs? Il va bien. Il est bien. Alors, au fait, est-ce qu'elle peut venir? Non, elle peut pas venir. Par contre, on peut prendre soin d'elle. Ouais. On va avancer le temps encore. Je trouve quand même qu'il met beaucoup de temps là, à la construire cette fusée. Hein. Bon, c'est quand que t'atteins le troisième étage. Allez. Bon, bientôt, je pense. Mais en fait, elle va être super grande cette fusée. Hein, parce que vous voyez, je pense qu'elle va être très très grande à la fin. Ouais, ça sera bien. Normalement, on peut aller dans l'espace avec. Donc, voir des extraterrestres, je pense. Oh, regardez, regardez. Waouh, elle est vachement grande. Elle est belle, hein. Enfin, c'est pas mon style, hein, mais bon, je suis pas trop fan de fusée non plus. Mais voilà, c'est une jolie petite fusée. J'aime bien. J'aime bien. Voilà, il atteint la moitié de la construction. Et après, on pourra partir dans l'espace. Voilà. Il est inspiré, l'inspiration vient plus facilement aux Sims créatifs qu'aux autres Sims. Johanna est de retour de l'école, elle n'a pas de quoi être fière, ce travail tout juste satisfaisant, tu vas voir toi à la maison. En fait, est-ce que tu as tes devoirs dans ton petit? Ok, on peut même pas voir son inventaire. Elle fait exprès, elle fait exprès. Bon, t'as atteint plus de la des trois quarts, donc tu vas bientôt terminer la construction de la fusée. Allez, dépêche-toi. Tu as bientôt fini. Il reste pas grand chose, il reste juste ce petit morceau là. Et après, on fera un petit peu le boulot ici parce que voilà. On est bien d'accord qu'on vient ici pour faire notre fusée et pas autre chose pour le moment. Ah merde, mal à l'aise. Ouais, faudra que t'ailles aux chiottes alors. Hop, voilà. Utiliser. Dès que tu auras fini de la construire. Il lui reste 1h39 de travail, donc on va juste rester tard. Comme ça, on aura beaucoup plus de temps pour la fusée. Ah, merde. Allez, vas-y. Vas-y, vas-y. Ensuite, tu vas juste au cas où prendre une douche. Bon, je commence à ramer un petit peu, c'est un petit peu bizarre. Voilà, c'est bon. Je l'avais mis un petit peu trop longtemps en accéléré, c'est pour ça. Hop, allez, finis de prendre ta douche.
Voilà. Et tu vas finir la construction de la fusée. Non? Allez, hop, on se dépêche. Voilà. Allez, tu l'as presque fini. Il nous reste, je pense, voilà, le petit truc en haut là. Et normalement, c'est bon. Hein. Après, elle sera faite. Ouais, il reste vraiment pas grand-chose. Allez, hop. Termine la fusée. Merde, il te reste peu de temps de travail là. Alors, dépêche-toi. Tu peux y arriver. Tu peux y arriver. Tu peux y arriver. Allez. Allez. Il est 19h, 20h. Ah merde, bah, ça se termine à 1h ton boulot. Alors allez, tu peux y arriver. Allez. On est tous avec toi. Vous aussi, dites en commentaire. Allez Benji, on peut y arriver. Allez. Tu l'as presque fini ta fusée là. Il lui reste peu de temps. Dépêche-toi. Ok. Ok. Elle a presque fini. Oui. Les amis, on a fini notre fusée. Démangeaison. Benjamin a l'impression d'avoir un essaim d'insectes invisibles en train de courir sur sa peau. Bah, c'est dégueulasse. Voilà, nous avons fini notre fusée. C'est trop bien. Oh, elle est trop trop belle. Pff, elle est magnifique. Ça mérite un screen. Non, attends, on va faire un plus joli screen que ça quand même. Voilà. Un beau screen. Voilà. Voilà, on a terminé notre fusée pile à temps. Voilà, argent gagné 33 simflouz. Bon, on s'en fout un petit peu. Puisqu'il fallait absolument terminer cette fusée. Donc, je pense qu'au prochain épisode, on ira visiter l'espace. C'est-à-dire à l'épisode de numéro 24 qui arrivera ben, la semaine prochaine, comme d'habitude, le mercredi à 18h. Voilà, on visitera l'espace normalement. Même si j'ai pas eu le temps de voir ce qu'on peut faire avec cette fusée. En tout cas, on a construit une fusée, on a accompli notre objectif. Et ça, c'est trop, trop, trop bien. Voilà. Donc, l'attente de chargement pour revenir de notre petite famille. Il faut attendre un petit peu. Oula, il s'enjaille un petit peu le truc. Hein. Bon, voilà, on est revenu. Toi, on va enfin voir s'il y a tes devoirs. Et tu n'as pas de devoirs. Ok. Je ne comprends pas. Ok, donc en fait, elle est buggée, elle ne reçoit plus ses devoirs. En fait, du moins, elle a la chance, moi j'aimerais pareil. Mais voilà. Ok, donc tu vas juste, voilà, essuyer la petite flaque d'eau, on va allumer les lumières. Voilà. Toi, ben tu vas bien, donc je propose que tu ailles dormir. Toi, bah ouais, tu as juste un petit peu faim, donc là tu vas prendre un petit plat. Toi, après, tu vas juste aller te coucher. Toi, pareil, tu vas être couché maintenant. Merde, pas dans ce lit là. Celui ici. Toi, tu vas manger. Après, tu vas dormir. Et puis, bah voilà, je pense que l'on va s'arrêter ici. On a fait un bon petit épisode. Voilà. Donc, on va s'arrêter ici. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un j'aime sous cette vidéo, à donner votre avis en commentaire et normalement, dans le prochain épisode, on ira visiter l'espace. Voilà, je vous fais ciao ciao tout le monde!